Et Lolo. Moi, je suis devenu son perroquet aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a des affaires quand il n'y a pas perroquet à côté. Lolo, mon perroquet. Vas-y, je suis là. Il y a quelques mois, ma grande soeur Sly de Sly était venue de Paris. Parle, ma soeur. Elle m'a appelée, elle dit, Ivy, je vais passer à la maison. J'ai dit, la grande soeur, c'est chez toi. Où je suis, c'est là-bas que tu es. C'est ça. Elle s'est sapée comme d'habitude. Elle est venue avec Élisée Dangui. Lui aussi sapée comme d'habitude. Non, c'était le soir. C'était un soir. On avait fini l'émission. Ah, ils ont fini l'émission. Voilà, c'est ça, c'est ça. Quand ils sont arrivés là, j'ai commandé à manger ce jour-là. J'étais fatiguée, donc je n'ai pas fait à manger. J'ai commandé à manger. Tu dis tu es fatigué, donc tu vas commander à commander manger. Commander à manger. Chez quelqu'un d'autre. Chez quelqu'un que je connais. Ok. Chez quelqu'un que je connais bien, qui fait à manger. J'ai commandé à manger, ils ont livré. Bizarrement, ce jour-là, je n'avais pas faim. Question. Suspect. Pourquoi je n'avais pas faim? Question. Je ne sais pas. Mais je n'avais pas faim. Suspect. Sly même dit, ah, ma petite soeur, prends au moins un morceau. Tu peux pas m'inviter et puis tu vas pas manger. J'ai dit, hé, ma grande soeur, je sais pas, mais si je mange, j'ai l'impression que, en tout cas, je me sens pas bien. Je vais pas manger. Cassons les papos. Sly et Élisée ont bien mangé. Ce jour-là, même truc était là. Ton là. Elliot. Elliot était là après Saturnin. De Solibra est venu même nous trouver. C'est ça, la bière était présente. Saturnin est venu même. Saturnin, comment son nom de famille là? On peut avancer. Saturnin, bon, j'ai oublié comme son nom de famille. C'est pour donner les preuves. C'est pour donner les preuves. J'oublie parce que ça, si ça passait à la justice, moi en tout cas avocate, je ne pourrais pas dire. Qu'est-ce que Saturnin de Solibra, il est le seul ça. Défaut-il. Saturnin de merci pour le nom. C'est le, voilà, Elliot Kwasi était là, Saturnin de Fodji, Sly et Élisée Dangui. C'est ça. On était là. On a causé, causé. Élisée, tout le monde est parti. Bon, affaire finie. Avant-hier, Sly est revenu de Paris. J'ai dit, ah, Sly. Elle m'a envoyé un message, elle me dit, ma petite soeur, je suis là. Elle dit, bon, la grande soeur, tu ne peux pas venir, puis tu ne vas pas manger à la maison. C'est ça, toujours la nourriture. Tu sais que chez moi, là, on appelle ça l'île au trésor. Il y a toujours manger. Le manger clove. Viens, tu vas manger. C'est tout ce qu'elle peut faire qui est là-haut. Viens, tu vas manger. Elle est toujours le même solo. Élisée, toujours présent. Toujours le grand mangeur, Élisée. Ils arrivent. Lolo aussi est là. La famille est là, on est réunis. À manger, Lolo a fait un petit direct et puis on est en train de bavarder. Puis Élisée m'avait dit avant-hier que figure-toi que la dernière fois quand on a mangé chez toi, qui appelle là, qui a dit on le nom de Vidéro ici là, vous savez que la dernière fois quand Élisée est venue, quand ils sont partis, mourir, j'ai dit et failli mourir. Non, Élisée te rappelle que toi, la dernière fois, je suis venue avec Sly. Oui, oui. Quand je suis venue avec Sly et qu'on a mangé, quand on est parti, j'ai failli mourir. J'ai dit, comment? Il dit, ah, je ne sais pas ce qu'on a mangé chez toi, mais Sly et moi, on a failli mourir. Mais de toute façon, quand on va venir chez toi, on va t'expliquer. C'est ça. Bon. Donc là, tout de suite, moi, je leur demande, qu'est-ce qui s'est passé? Sly dit, ah, elle-même, elle ne sait pas. Mais ils ont eu très mal au ventre au point où ils ont hospitalisé Élisée. C'est ça. J'ai dit, mais Élisée, pourquoi tu ne m'as pas dit? Il dit, non, question. Il n'a pas voulu. Et comme ils savaient que ce n'était pas moi qui avais préparé, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas bon, fait cas de ça. Parce que Élisée, dans la semaine, il peut manger chez moi 3-4 fois. Abonné à titre. On peut manger comme ça. On peut manger comme ça. Alors. Élisée est célibataire. Et je préfère qu'il mange ma nourriture. J'aime ça. Donc, quand je mange et prépare, il est toujours là. La voisine. Vous le voyez, mince, de toute façon, il mange. Beaucoup. Et donc, c'est là maintenant, Sly va me dire, Ivy, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait mis dans la nourriture contre toi-même, pour toi. Et puis c'est nous, on a mangé. C'est là que je me souviens. Effectivement, ce jour-là, moi-même,
Je n'ai pas voulu manger, je ne sais pas. Suspect. Et vous avez tout fait, je n'ai pas mangé. C'est là Lolo a dit, tu vois. C'est comme ça, demain, je touche du bois. C'est affreux, là. Si quelque chose était arrivé à Élisée et Sly, on allait dire, la dernière personne chez qui ils étaient là, c'était qui? Yves Dero. C'était chez Yves Dero. Suspect numéro 1. Ils ont mangé chez qui? Chez Yves Dero. C'est de là qu'ils ont eu mal au ventre. Voilà. Elle les a sacrifiés pour avoir l'argent. Et elle les a sacrifiés pour que ce soit en voix. Sur Internet. Ses personnalités invitent. On ne sait pas pourquoi. Elle fait quoi de bon même dans elle comédie? Elle ne dort pas la nuit. Elle sacrifie ses compatriotes. Voilà pourquoi elle invite beaucoup les personnages à toujours c'est elle qui invite les gens à manger. Elle jette le poison dedans. Oui. Et il tombe, il meurt. Et son étoile monte. Et elle, son étoile monte. Question. Elle brille. Question. On Sly peut briller comme ça. Question. Mais comme cela, il y a une brèche dégarnie qui brille. Par exemple, quand elle ne sourit pas, elle est belle, mais c'est pas frappant. Mm-hmm. Mais c'est quand elle sourit, la maison est en duplex. C'est là que quand Sly sourit, là, c'est là que tu sens bien sa beauté. C'est ça. Ils vont dire elle a capturé la lumière de Sly. Pour me s'assurer. Elle est noire, mais elle veut être lumière. C'est fait appeler ça ou le lampadaire. Non, 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 non. Elle est noire dans le physique, mais très claire dans le spirituel. Amen. Non. C'est ça. Amen. 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 C'est ça. Donc, voilà à faire. Voilà à faire. Et quand je m'assois, je me souviens d'où j'ai commandé la nourriture. Adama. Que la personne et moi, on n'est pas en de bons termes aujourd'hui. Question. Oui. Suspect. La personne et moi n'est plus en bon terme. Oui. Donc, en fait, c'est tout à l'heure quand cela y a dit. Quand cela y a dit, Yvi, est-ce que ce n'était pas dirigé vers toi que je commence maintenant à voir le film à réaliser dans ma tête. Et c'est comme ça que souvent des gens sortent ensemble. Des amis sortent. Ah, elle était sa copine. On l'a empoisonné. On accuse souvent les personnes qui sont à côté. On ne dit pas que les gens n'empoisonnent pas. Hein. Présumé innocent. Les gens empoisonnent. Présumé innocent. Mais souvent, il y a des innocents aussi. Qui sont en tôle. Il y a des innocents aussi. Ne voyez pas ça en sketch. Hein. C'est clair. Souvent, on fait sketch. Mais pour aujourd'hui, là, c'est la vérité. Si c'était Lolo et moi, vous pouvez dire que c'est deux marmailleuses. Mais Sly, c'est quelqu'un, elle est bien, elle a un bon comportement. Elle n'est pas dans notre... Moi, je ne suis pas humble. Moi, Lolo est vulgaire. C'est Sly seul qui a un bon démon. Moi, le démon de l'arrogance. Lolo a le démon de la vulgarité. C'est clair. Sly a le démon de la timidité. Ça fait trois démons. Il y a des degrés de démons. Voilà. On appelle ça le démonciel. Oui. Démonement par moi. Ça va, c'est quand même. Donc, c'est des histoires comme ça. Ça peut arriver à tout le monde. Je vous ai expliqué mon spectacle de l'an dernier. Ceux qui étaient avec moi ont vu ce qui s'est passé. Petit spectacle, la petite allée prendre palais de la culture. Palais de la culture, là. Empoisonnement est sorti dedans. Je ne peux pas aller aux toilettes. Si je vais aux toilettes ici, vous ne pouvez pas vous asseoir. Vomissement noir comme ça, on dirait que... Je te dis, je te parle d'une affaire. Au nez pâteux. Je te parle d'une affaire, Serge Benoît peut témoigner. Parce qu'un soir, j'ai appelé Serge Benoît en pleurs. J'ai dit, Serge, il faut dire à ta maman de prier pour moi. Il dit, qu'est-ce qu'il lui a expliqué? Il dit, non, il vit, c'est le stress. Que tu sais, moi-même, quand je devais faire mon premier spectacle à Paris, j'étais stressé, j'ai eu la diarrhée. La le gasto, stress là. Ou caca, André, bombe nucléaire. Non, vraiment. Tu sais, la gastro là. Nous, on sait que la gastro, là, à Paris, la gastro, chez nous là-bas, c'est trois jours, quatre jours. Même pas. Mais tu peux pas faire deux semaines, trois semaines. Tu prends l'imodium, l'angoisse. Voilà, l'imodium, ça passe. Mais tu peux pas faire trois semaines de gastro. C'est pas possible. Vomis, c'est de l'empoisonnement. J'appelle Serge. Et Serge même me dit, Serge me dit, Yvi. Ça va, tu es guéri. J'ai dit non. Il dit non, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. L'Africain. C'est comme ça qu'on va commencer à prier. Marie-Claude aussi, jeune. Maman Geneviève Brou. Tout le monde. On va prier, prier, prier. Puis Dieu va nous aider. De quoi on en parle aujourd'hui?
Je suis allé chez Bishop Givenson. Lui-même aussi l'a dit. On va t'empoisonner. Il a dit, papa, ils m'ont déjà empoisonné. Il dit, tu as vu. Mais il ne faut pas penser que c'est fini. Hein. On va chercher à t'empoisonner encore. Attention. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui est là. Peut-être que vous étiez mes gilets pare-balles. Oui, oui. Vous savez, dans la vie, Dieu, il peut prendre quelqu'un, il met la personne là, et puis il met des anges autour de lui. Les anges là, ce n'est pas les anges qui vont quitter au ciel pour venir. Souvent, Dieu passe par des gens autour de toi, et puis ces personnes là sont comme des anges pour te préserver du mal. Ou bien pour amoindrir certains chocs. Tu comprends, non? C'est dans ça on est là. C'est causerie, on dit on va manger. Causerie, on dit on va manger là. C'est dans ça on est rentré dans l'empoisonnement. Mes étoiles, voilà l'affaire qui est là comme ça. Pourquoi ça sort aujourd'hui? Voici l'affaire qui est là comme ça. Question. Élisée, mon frère que j'aime là. Hein? Élisée voulait, en rigolant, voulait lui dire il ne faut pas nous empoisonner encore aujourd'hui. Oui, oui, tu vois. Oh. L'éternel empoisonné. Élisée. Toujours là au monde. Donc mes étoiles, c'est des histoires comme ça qui arrivent, qui sont vraiment réelles. Faisons très attention. Faisons très attention, très attention. Sachons avec qui on marche. Souvent même la personne en qui tu as confiance, même la personne même tu sais pas. Parce qu'on a des amitiés. J'ai dit toujours une amie qui marche avec toi, qui n'est pas contente de ton bonheur, c'est une sorcière. Chaque personne a son étoile, il faut comprendre ça. La personne chez qui j'ai commandé la nourriture, je suis en mauvais terme avec la personne aujourd'hui. Question. Que s'est-il réellement passé lors de la préparation de la nourriture? Voilà. Question. Lolo parle maintenant. À qui était réellement destinée la nourriture? Question. La nourriture n'a pas été préparée à la présence de Yves Dero. Question. Yves Dero se leva, allait prendre la nourriture, l'envoya, a été mangé. Le pire du moment, c'est que les invités ont insisté parce qu'ils ne savaient pas de la manière Yves Dero brille. Peut-être qu'elle fait des choses, on ne sait pas. Yves mange, elle dit, je suis rassasiée. Question. Quelqu'un qui envoie sa nourriture, qui refuse de manger, Trois points de suspension. Insiste, Yves mange. Elle dit non. Et puis moi-même là, j'aime beaucoup. L'avocat en train de parler. Laisse-moi faire mon travail. Pardon. Et puis tu as une grosse cuisse, donc pousse un peu. Voilà. Donc, ma cuisse, ma pauvre cuisse. En tant qu'avocate de la présumée coupable, parce que tu allais faire la prison. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est Yves qui avait envoyé la nourriture. Bon, je touche du bois. Si quelqu'un avait mis RP, qui a envoyé la nourriture? Effectivement. Si tu retournais chez la dame avec qui vous êtes en mauvais terme aujourd'hui pour dire c'est toi qui as préparé, elle va te dire je n'ai pas préparé. La maca est là. Il y a une place. On dit dès, bon, je ne cite pas son nom. Il y a un qui vient de sortir qui allait prendre sa place. Question. Ou bien c'est moi qui allais être là-bas et puis lui, il allait prendre ta place. Question. Donc, question. Mais j'allais durer les la gens allaient penser quoi de Yves Dero en ce moment précis? Pour un rien, Yves Dero, aujourd'hui, elle rentre chez les personnalités. Question. Est-ce que Yves Dero n'est pas rentré dans la franc-maçonnerie, dans le maçonnage? Question. Tous ceux qui touchent Yves Dero, tu la vois, son teint est noir, mais son étoile brille. Pourquoi? Question. Yves Dero est devenu maintenant assassin et franc-maçonnerie a doublé du n'en dit pas son nom. Vous regardez ses yeux comment c'est grand. C'est les yeux de quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Question. Tel que je connais l'être humain noir, ils allaient dire au moment opportun que je vous ai toujours dit, on vous a toujours dit les étoiles, vous n'êtes pas des étoiles, mais vous êtes des étoiles prédestinées. Elle est en train de prendre votre étoile. Question. Question. La pauvre Sly. La pauvre Sly. La brèche. La brèche. On n'allait pas entendre les bons sons et les belles vidéos qu'elle fait. Question. Le grand de la nostalgie allait être empiétré. Le mangeur. Question. Donc, j'ai sorti aujourd'hui d'une prison de 20 ans. 20 ans de prison. Quand tu sortais, tu ne peux plus faire de vidéo. Peut-être que tu allumes ta caméra, on met assassin. Ha 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 ha
elle-même. Elle-même, quand on la regarde, on savait même que c'est elle. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Nous, on est partis civils. Tu sais que Dieu a fait grâce. C'est vrai, on est en train de rigoler. Mais moi aussi, Dieu m'a épargné de quelque chose. C'est ça. Parce que si, quand, si c'est quelque chose qui t'est destiné là, si moi je mangeais, moi je mourrais. Ça allait te prendre, oui. Mais comme j'ai beaucoup prié avant de manger cette nourriture, dans la prière. Oui. Vous avez prié. Je comprends pourquoi aujourd'hui la prière était longue. Ah, mais c'est c'est le Seigneur qui parlait à travers de Dieu. Pour dire, il faut la ministre des cultes. Non, aujourd'hui, c'est moi, j'ai préparé. Non, comme c'est, toi, tu as préparé, mais on ne sait jamais. Le diable peut se transformer en quelque chose. Parce que la nourriture n'est pas trop salée. Il y a une scène qui est venue après. Ça allait être une pièce à conviction. Avocat. Bon, je ne parle plus. Donc, ça peut vous dire que c'est des choses. Moi, je fais. En fait, d'habitude, vous-même, vous me connaissez. J'aime faire à manger. Moi, c'est ma passion. Après la comédie, l'humour, ma passion, c'est la cuisine. Après la cuisine, c'est la décoration. J'aime beaucoup faire la déco d'intérieur. Tout est bien décoré et ajusté. J'aime ça. Après, c'est le kiki. Alors, quitte là-bas. Donc, maintenant. Mm-hmm. Je veux dire que Dieu fait grâce. Amen. Franchement, il faut mettre sa confiance en Allah. Amen. C'est important. Mm-hmm. C'est important. C'est...